Bonjour, qu'est-ce qu'on a ici? Présente Amélie, c'est la reine du gâteau. Et voilà, on est à Strasbourg. Notre belle cathédrale, bienvenue à Strasbourg. On s'amuse bien, la vie est belle. Comment allez-vous? Tu vas bien, merci. Alors, ça fait quel effet d'avoir remporté cette superbe finale des rois du gâteau? Eh bien, je suis émue, je suis super contente, super heureuse de remporter ce titre. Voilà. En tout cas, on est vraiment fiers de vous. Alors franchement, on veut vous applaudir très fort. On applaudit Amélie. Bravo! Bravo Amélie! Amélie, tu as cette passion pour la pâtisserie? Moi je suis curieuse. Et donc, une fois, je me baladais, j'ai observé les gâteaux dans les vitrines d'un grand chef. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Et voilà, comme ça. Et le tamarin, racontez-moi un peu l'histoire du tamarin. Mais le tamarin, vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est un fruit sec et très frisé. Et nous, on l'utilise dans les jus, dans les cocktails, dans les ronds glacés. Et donc, voilà, c'est mon fruit préféré. Comment s'est déroulée l'épreuve alors? Est-ce que c'était compliqué? Les épreuves sont bien roulées, avec un peu de stress, mais tout s'est bien passé. J'ai géré comme un chef. D'accord, et parlez-nous aussi de votre autre passion, oui. Et votre autre compte YouTube. Alors, mon compte YouTube, ça évolue tous les jours. Et voilà, je partage la recette de chez moi, la pâtisserie, tout ce qui est cuisine et pâtisserie. Là, je touche un peu à tout. D'accord. Alors, moi, je tiens à dire que son compte, il est top. Allez faire un tour dessus. C'est Cuisine Pâti sur YouTube. Elle a 25 000 abonnés et ça, faut pas louper ça. Allez-y. Hein. Alors, moi, je voudrais vous présenter mes copines des Rois du Gâteau. C'est il y a aussi une copine à moi qui est là-bas derrière l'écran. Hein. Là, elle est là. Voilà. C'est Cloupette, voilà. Avec sa superbe orchidée. Je tiens à dire que cette aventure m'a apporté beaucoup de joie, de bonheur, de no stress. No. Et beaucoup de superbes copines avec qui je m'entends trop bien depuis un an. Et on s'éclate, on a gardé contact franchement régulièrement. Et là aujourd'hui on est à Strasbourg, quoi de plus? Yes! Yeah! Vive les gâteaux, vive la pâtisserie! Oui, youpi!